Vous en savez déjà suffisamment. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Bien sûr que si. Alors laissez-moi au moins vous poser une question. Oui. Ce que je vois dans l'Animus, parfois, ça a l'air incohérent, inexact. Et comme l'histoire est révolue, je me demandais... Vous vous demandiez quoi, Monsieur Miles? Ah, je vois. Vous vous dites que ce que vous avez vu ne colle pas toujours avec ce qu'on vous a appris en cours d'histoire. Laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous vraiment que les connaissances de vos professeurs étaient plus pointues que les nôtres? Les livres, la correspondance, les documents qui remontent à cette époque... Tout est en parfaite contradiction avec ce que l'Animus restitue. Écrire un livre est à la portée de tout le monde. Puis-je vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on lisait partout que la Terre était plate. Pour certains, elle l'est toujours. Et ceux-là défendent leur théorie bec et ongle. D'autres affirment qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Le livre parmi les livres ne prétend-il pas que la Terre a été créée en 7 jours? Et c'est le plus vendu. Où voulez-vous en venir? Au fait que vous ne devriez pas croire tout ce que vous entendez, ce que vous lisez. Votre ancêtre lui-même n'affirmait-il pas que rien n'est vrai? Et que tout est permis? Exactement. C'est ce qui rend l'Animus si fantastique. Il n'y a pas de place pour une mauvaise interprétation. C'est vous qui le dites. Et je n'en démords pas. Bien. À présent, pouvons-nous commencer? Couche-toi. On s'occupe du reste. Desmond. Lancez des couteaux pour éliminer vos ennemis de loin. Entre, jeune disciple. Nous avons tant à nous dire. Nous touchons au but, Altaïr. Robert de Sablé est désormais le seul obstacle qui nous sépare de la victoire. S'il meurt, l'ennemi sera désorganisé et sans richesse. Le trésor des Templiers sombrera dans l'oubli et avec lui, la menace qu'il représente. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ce trésor a pu engendrer le chaos. L'orbe d'Éden n'est que le reflet de nos tentations. Regarde ce qui est arrivé à de Sablé. En goûtant à son pouvoir, il a précipité sa propre chute. Il y a vu non pas une arme dangereuse à détruire, mais un moyen de réaliser ses propres ambitions. Alors il avait soif de gloire. Oui et non. Comme nous, il rêvait, et rêve encore de paix. Mais c'est pourtant à cause de cet homme que la Terre Sainte s'est embrasée. Non, Altaïr. Comment peux-tu être à ce point aveugle alors que c'est toi qui m'as ouvert les yeux? Je ne vous suis pas. À quoi aspirait-il, lui et ses partisans? À un monde plus solidaire? Je respecte son ambition, je la partage. Ce sont les moyens que je condamne. La paix est une chose qui s'apprend, qui se comprend et qui s'épouse. Lui voulait l'imposer. Quitte à nous priver de notre libre arbitre. Étrange. De penser à lui comme ça. Nous ne devons pas cultiver la haine de nos victimes. La haine est un poison qui obscurcit notre jugement. Ne pouvait-il être convaincu qu'il cesse cette folie? Je lui ai parlé à ma façon, à travers toi. Chaque assassinat était un message. Mais il n'a pas daigné en tenir compte. Dans ce cas, il me reste une dernière chose à faire. C'est à Jérusalem que tu l'as affronté pour la première fois. Il y est toujours. Tu trouveras la force d'accomplir ce dernier sacrifice. Pars, Altaïr. Il est grand temps d'en finir.
On dirait qu'il a le diable à ses... Si les porteurs font tomber leur jarre à cause de vous, vous risquez de vous faire repérer. Paix et sérénité, Altaïr. Que la paix soit sur toi, mon frère. Le destin semble nous jouer des tours, on dirait. Alors c'est vrai ? Robert de Sablé est à Jérusalem ? J'ai vu ses chevaliers de mes yeux. Cet homme est un véritable démon. S'il est ici, c'est qu'il prépare un mauvais coup. Je ne lui laisserai pas le temps d'agir. Ne laisse pas la rancune obscurcir ton esprit. Nous savons tous deux où cela peut mener. Sois sans crainte. Je ne l'ai pas oublié. Je ne cherche pas à me venger, mais à comprendre. Alors tu n'es plus l'homme que je connaissais. Mes missions m'ont beaucoup appris. Des secrets m'ont été révélés. Mais je ne parviens pas encore à assembler tous les éléments. Que veux-tu dire ? Tous ceux que j'ai envoyés dans l'autre monde travaillaient pour Robert de Sablé. Cet homme prépare quelque chose. J'en ai l'intime conviction. Mais comment et pourquoi ? Où et quand ? Ça, je ne le sais pas encore. Les Croisés et les Sarrasins travaillaient de concert ? Non, ce ne sont pas eux. Ils ne sont pas en cause. Ce sont les Templiers. Les Templiers font partie de l'armée des Croisés. C'est ce qu'ils veulent faire croire au roi Richard. En vérité, ils ont fait allégeance à Robert de Sablé. Ils y voient un moyen de mettre fin à la guerre. Mon histoire est très troublante. Tu n'as pas idée à quel point, Malik. Mais dis-moi où tu les as vus. Je vais essayer de le trouver avant qu'ils ne partent. À trois endroits différents. À l'ouest, près d'une tour de garde et d'un hôpital. Et au sud-ouest, dans l'église du Saint-Sépulcre. Essaie d'en savoir plus. Je ferai pareil. Je m'y mets tout de suite. Sois prudent, mon ami. L'enfantillage, ce n'est plus ton âge. Tu n'as pas le droit d'être ici. Va-t'en. Il va blesser quelqu'un, j'en suis sûr. Tu n'as rien à mais faire où ici. Qu'il file comme ça. Non, il a eu peur. Où va-t-il? Ne recommence pas si tu tiens à la vie. Il a peut-être quelqu'un à ses pieds. Il a l'air pressé, celui-là. Très bien, il n'a pas de temps à perdre, celui-là. Geçen sefer şanslıydı. Ama bu sefer değil. Kalabalığın içine karışmayı seviyor. Gözünüzü dört açın. Kimsenin sizi kandırmasına izin vermez. Vous avez vu ?
Va-t'en, bah, Enfantillage, je te vote le train. Tiens, c'est vu. Belki sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer seni kaçmasına izin vermeyelim. Ne istiyorsun? Il court trop vite, il va blesser quelqu'un. Il va finir par blesser quelqu'un. Yapmanın cezası ölümdür. Officer! Pitié, ne me faites pas de mal! Il va finir par se blesser. Qu'est-ce qu'il fait? Kenara çekil. Qu'est-ce qui lui prend? Le camp. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Il a perdu la tête. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. Tu n'as pas le droit d'être ici. Le sang de tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Sans exception, nous en souffrons. Infidèle. Tu ne vas pas fuir toute ta vie. Me voilà.
De dialoguer avec eux, de se racheter, de construire enfin ensemble une paix qui, jusqu'à maintenant, n'a été qu'éphémère. Peuple de Jérusalem, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Faisons un pas dans la bonne direction pour que la paix règne à nouveau. Accueillez les croisés comme des frères, ouvrez-leur les bras. C'est ainsi que nous pardonnerons les péchés du passé. Ce sera le début d'une ère nouvelle. Yeah,
Rien à faire ici. D'accord. C'est de mauvais augure. Que s'est-il passé ici? Montre-toi. Arrière. Je te laisserai pas passer.